Salut à tous, aujourd'hui expertiamo arte con un artista che appare da lenti. A Zosi Delina si basa in una famiglia di pittori, musiganti, sartori, di tutti si sabe fa, na piadu l'eredità Isabel Carbuccia, un artista pittore con stile astratto. Chabre Bourte Diazog, Réa Divida. Bonjour Isabelle. Bonjour Francine. Alors, vous êtes vraiment l'héritière d'une famille d'artistes, on peut dire. Oui, merci. Vous nous racontez ce parcours? Oui, alors j'ai grandi dans une famille où l'art sous toutes ses manières existait. Racontez-nous un petit peu, qui sont ces artistes? Alors j'ai une maman qui peint. Et donc j'ai grandi avec ma mère qui est baignée dans la peinture. Elle en a fait son métier, votre maman? Non, pas du tout. Ma mère, ça a été vraiment pour son plaisir, mais elle a toujours eu de très beaux ateliers et elle m'a initiée en quelque sorte au peintre, à la peinture. Elle vous a traînée dans des galeries? Oui. Voilà. Et puis bon, pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, parce que quand on est plus jeune, on n'aime pas du tout. Et puis aujourd'hui, merci. Merci maman. Voilà. Après, elle m'a aussi initiée à la musique et à... Votre grand-père était musicien? Oui, mon grand-père était musicien. Mes oncles jouent tous les instruments. Et ma mère est la seule personne qui n'en joue pas. Mais j'ai grandi avec autour de moi aussi des musiciens et c'est très important. Alors, vous avez une grand-mère qui, elle, vous a initié à toute autre chose. Oui. Alors, j'avais ma grand-mère qui était passionnée de littérature et de couture. Mmh. Et de, on va dire aussi de tricot. Mmh. Et elle m'a initiée depuis toute petite au tricot, à la couture, au crochet. Eh bien, c'est votre premier objet, Isabelle. Vostro credo. Et Koulougui, alors racontez-nous tous ces petits objets-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... c'est un petit peu lourd, oui. Ça. C'est une belle matière. Du dessin, on va vraiment faire le tour de votre enfance, là. Oui. Donc, on va commencer par... ça, c'est donc à votre grand-mère, ça appartenait oui, à votre grand-mère. Oui, à ma grand-mère. Les aiguilles à tricoter, ainsi que les œufs à repriser. Et quand j'étais petite, ma grand-mère avait, on va dire, tricotait très bien et cousait très bien. Et j'avais beaucoup de chance de la voir parce que j'étais déjà depuis toute petite passionnée par la mode et la création. Et je lui montrais sur des pages de magazines des tenues que je voulais et elle savait me les réaliser et avec elle j'ai appris. Et ça aussi, oui. Ça c'est une de vos premières réalisations, vous êtes toute petite quand vous faites ça. Oui. Qu'est-ce que ça représente quoi? Alors, en fait mon signe astral en fait. D'accord. Je suis poisson et j'avais dessiné, voilà, je m'étais représentée. Et... Avec un chapeau en forme de poisson. Oui, tout à fait. Alors, justement, de cette activité-là, vous avez réalisé une collection, vous êtes rentrée carrément dans le milieu de la mode et créé une marque. Oui, oui, oui. Alors, j'ai créé deux marques de vêtements. Et on va dire en étant complètement autodidacte, mais avec ma grand-mère qui m'a complètement initiée à la couture. Et j'ai toujours aimé découper des vêtements depuis toute petite. Donc, j'ai eu écho par votre maman m'a dit j'étais obligée de tout cacher car elle n'avait la notion de rien. Elle prenait, elle découpait. Ah oui, non, puis si j'avais décidé de découper une robe qu'elle avait payée très cher, peu importe quoi. Donc j'y allais, c'était catastrophique pour elle. Et on va dire que voilà, donc j'ai commencé par créer des petites jupes, des t-shirts, des chemises. Et puis je me suis lancée, j'ai déposé une marque. J'ai travaillé avec cette première marque, puis une deuxième. Et puis j'ai un peu dévié après un peu dans la décoration aussi. Vraiment un goût de l'art, de tout ce qui on va dire de créer en fait. Hein, c'est voilà. Ça qui vous plaît de en fait. De créer, oui. J'ai besoin de créer. Donc là, il y a eu cette partie mode, cette partie couture que vous avez réalisée avec des petites collections, avec votre marque. Et pour passer à la peinture, Isabelle, vous devez faire un choix. Oui, 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 oui. Non, je ne pouvais pas me disperser. En plus, j'avais toujours le regard de ma mère au niveau de la peinture. Donc, c'était pour moi, si j'allais me lancer dans la peinture, il fallait que je le fasse, on va dire, de manière peut-être plus sérieuse encore. Mm-hmm. Elle a un style qui est complètement différent du vôtre. Complètement. C'est plutôt de la nature morte. La nature morte, puis elle est plus en lien figuratif. Et puis, ma mère, en revanche, a pris des cours de peinture, et, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai, pour moi... cette grande liberté
au niveau, parce qu'être autodidacte, c'est ça aussi, hein, c'est ne pas avoir de règles. C'est ça. Et la peinture, et là, et ce côté-là me permet de placer les couleurs en fonction de mon œil. Et voilà. Eh bien, alors, donc, cessation de cette activité, vous vous réalisez en tant que peintre. Oui. Et on va découvrir justement les premières œuvres que vous faites. Et vous allez nous expliquer, Isabelle, en quoi, en fait, votre peinture est étroitement liée à la couture. En quoi, comment vous faites ce lien, en fait? Alors déjà, j'aime beaucoup travailler la peinture sur une toile qui va être au rouleau. Et de cette manière, comme mes toiles sont en lin, j'ai vraiment la sensation de travailler un tissu, puisque je travaille à même le sol, sur des matières, sur ma matière, et ça me ramène vraiment au tissu. Et puis après, lorsque je réalise une toile, bizarrement je la vois en représentation. Elle peut être un tapis, une robe, un tissu, un coussin, et je suis toujours liée à la couture. À la couture et aux vêtements, au tissu. Parce que pour moi, le support, excusez-moi. Je vous en prie. Le support est juste différent, en fait. Donc, si on y regarde de plus près, on voit quand même du relief. Oui. On a l'impression qu'il y a vraiment il y a beaucoup de matière. Et puis, cette idée de vernis, d'où vous vient cette idée, en fait? Alors, j'ai besoin de toucher la matière, en fait. Et lorsqu'on va dans des musées, il est interdit de s'approcher. Et ben voilà, c'est peut-être une contradiction aux interdits. Et je trouve que voilà, ce que j'aime, c'est que mes toiles aient pu susciter l'envie de toucher. Alors Isabelle, moi je vous propose qu'on aille du côté de Bastia, oui, dans votre atelier qui est chez vous, tout simplement, pour voir comment vous vous y prenez. Andemon Sem. Lorsque je suis dans mon atelier, je suis en pleine quiétude. Et ce moment, justement, n'a plus le sens du temps. La création, elle est en moi depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose que j'ai, moi, depuis l'enfance. Même lorsque je ne peins pas, tout ce que j'emmagasine, tout ce que je vois, va me servir à la création. Ça me freinerait dans ma création si je devais m'imposer. On va dire la liberté, pour moi, c'est le plus beau moteur. Il y a une part totale à l'improvisation et justement, c'est très important pour moi. J'aime pouvoir apporter de la matière. Alors, j'ai pas, on va dire, de contraintes à ne pas mélanger certains produits. J'aime travailler différents produits pour qu'il y ait une matière et souvent même à ce qu'il y ait une réaction que l'on pourrait ne pas attendre. Elle est importante pour moi. Le fait de travailler avec des résines, des vernis, fait que mon travail prend un relief qui est complètement différent et qui est très très important. Parce que pour moi, le visuel est tout aussi important que l'envie de toucher. L'envie de toucher est très importante pour moi. La peinture libère, la peinture est un exutoire, et pour moi, c'est, je pense, la plus belle des thérapies dans la vie que de peindre. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux de vous voir travailler, Isabelle. On voit votre œuvre finie. Ça représente un palmier, et d'ici, on voit cette belle matière. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser cette toile? Je me sens émue, Isabelle. Oui. Tout va bien, tout va bien. Alors, pour réaliser cette toile, eh bien, ça m'a pris un mois. Quand même. Oui. Comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. En fait, je travaille différemment, bien entendu. Et il m'arrive de travailler une toile de manière plus rapide. Mais j'aime qu'il y ait des étapes successives. J'aime laisser évoluer ma peinture et y revenir. Pour moi, le détail, ce sont tous ces détails assemblés qui vont constituer l'ensemble d'une toile pour moi. Donc ces détails sont importants. Lorsque j'ai commencé à peindre, je travaillais de manière plus rapide, avec moins de maturité, je pense. Et j'avais besoin que ça aille très vite. Il fallait presque que je l'accroche avant même qu'elle soit finie. Donc aujourd'hui, non, j'ai besoin que mon travail soit plus abouti. Et pour cela, il faut laisser un petit peu reposer. Et j'ai besoin, souvent, je travaille 3-4 toiles en même temps.
De cette manière, ça me permet de faire évoluer mes idées au fur et à mesure. Puis constituer une sorte de collection, oui, en fait. Oui, complètement. Alors, justement, les ventes sont arrivées un petit peu par hasard, oui, chez vous, oui. Le passage d'amis. Oui. Et du coup, c'est devenu votre galerie. Oui, en fin de compte, le passage d'amis a été donc un hasard au niveau des ventes. On m'a demandé d'acheter une des toiles qui était accrochée. La première toile, ça fait très mal de la vendre, parce qu'on a la sensation vraiment de perdre un membre de sa famille. Carrément. Vous avez été pillée, carrément. Complètement. Et puis par la suite, j'ai constaté que ça plaisait beaucoup, le fait de venir dans mon intérieur et de choisir une de mes toiles. Et on va dire aujourd'hui, j'ai constitué une galerie dans mon intérieur, où j'ai mon atelier, et à ce moment-là, je reçois mes clients sur rendez-vous. Ils viennent et ils achètent ce qu'ils veulent. Vous communiquez beaucoup par les réseaux sociaux, oui. C'est comme ça qu'on peut vous trouver. Oui, oui. Et ensuite, ça a un lien particulier de recevoir les gens chez soi et... Oui, alors c'est très intime, mais on va dire que déjà, il se crée une relation qui est très particulière, où il est très agréable de constater que ma peinture, elle touche autant. Et lorsque on commence à discuter avec ces personnes-là, eh bien, il y a un lien quand même particulier, oui. Isabelle, il est temps pour moi de faire battre votre cœur par un objet qui m'a été confié par votre maman, Ouattigour. Votre maman, qui, je cite, a dit que vous étiez quelqu'un de très avant-gardiste et de très caractériel. Alors, racontez-nous. Il paraît qu'à une certaine époque, vous vous preniez pour Axel Bauer. Et ça, c'est un autoportrait. Oui, oui. Alors racontez-nous un petit peu. Bon, on va dire que là, je devais avoir 13-14 ans et j'étais c'est tout vous. Le temps, oui, c'est moi, avec mes caleçons Ben Simon et mes tennis Ben Simon et ma chemise Liberto à l'époque. Oui, oui. C'est bien vous, c'est bien vous. C'est bien moi, c'est chez mes parents, oui. Et ça fait quoi de... Quel œil vous jetez aujourd'hui sur ces premières peintures en voyant votre travail aujourd'hui? Ça n'a plus rien à voir, on va dire que aujourd'hui, je me suis complètement libérée et j'ai mon propre style. Parce que ce style-là, il va être plus académique et il va plus ressembler à ce qu'aurait pu penser ma maman. N'est-ce pas? Et cette casquette, alors, il paraît que oui. Axel Bauer, c'était un de vos j'adorais, modèles. J'adorais. Vous aviez déjà un look et un style très atypique. Oui, parce que j'étais passionnée par la mode et ça avait une grande importance. Et voilà, donc j'étais toute petite, j'avais mes casquettes, mes grands impairs. Et voilà, j'étais bouquée. Les projets d'Isabelle Carbouch. Alors là, maintenant, je lance une petite fabrication de vases et de vaisselle avec toutes des pièces uniques, bien entendu, et une petite collab au niveau de la mode. Mais c'est des beaux projets, dites-moi. Oui, oui, super. Donc, on vous attend pour un prochain volet dans Nous ne savez pas. Vous êtes avec ici plaisir. Chez vous. Ça a été un plaisir de partager tous Merci. Ces moments avec vous Merci et de vous beaucoup. Voir nous mettre plein d'étoiles dans les yeux. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, et à Francine. Boy. Puis digo, a un prossimo Ouattigour. A vedeci. Thank you.